Bonjour, nos chers élèves. Notre séance sera consacrée à la correction des deux exercices. Le premier exercice porte sur la similitude le deuxième porte sur la géométrie dans l'espace. Je me présente, c'est Melahdel, professeur de mathématiques au lycée pilote Menza 8. Passons alors à l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. C'est la session principale juin 2009. Contenu de l'exercice, similitude directe, similitude indirecte, symétrie orthogonale, composée d'une similitude directe et d'une symétrie orthogonale, forme complexe d'une similitude indirecte. Passons à l'exercice numéro 1. On va traiter, dans la partie numéro 1, on va traiter. Étudier une similitude directe, connaissant le centre. On va déterminer les deux éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'angle et le rapport. Puis on va trouver quelques images de quelques points. Dans la deuxième partie, on va étudier la forme complexe d'une similitude indirecte. Puis on va étudier la composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte. Indirect. Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC isocèle et rectangle en A. La mesure de l'angle orienté ABAc congrue à π sur 2 modulo 2π. On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des segments AB, BC, AC et JC. Faire une figure. Voilà, on a une figure. On a ici I milieu de AB. J, milieu de CB, K, le milieu de AC, et L, ici, le milieu de JC. On remarque ici que le triangle est un triangle isocèle, rectangle, et de sens direct, vu que la mesure de l'angle orienté AB et AC congrue à π sur 2 modulo 2 de pi. Deuxième question soit F la similitude directe de centre J qui envoie A sur K, c'est-à-dire l'image de J égale à J et l'image de A égale à K. On veut déterminer alors l'angle et le rapport de F, les deux éléments caractéristiques de F vu qu'on a le centre. Un petit rappel, une similitude directe de rapport différent de 1, est parfaitement déterminé par la donnée de son centre, son rapport et son angle. Le centre, le rapport et l'angle d'une similitude directe sont appelés les éléments caractéristiques de cette similitude. Une application F est une similitude directe de rapport différent de 1, de centre I et d'angle de mesure θ, si et seulement si, pour tout M distinct de I, d'image M' par F, c'est-à-dire F de M, égal à M prime on a i prime égale à im k fois im c'est-à-dire k égale à im prime sur im et la mesure de l'angle orienté im i prime égale à θ modulo 2 π donc ici on a les trois éléments caractéristiques le centre i le rapport k et l'angle θ, d'une similitude directe je veux alors déterminer l'angle et le rapport de F. On sait que F, c'est une similitude directe de centre J et qui envoie A sur K. C'est-à-dire, l'image de J égale à J, c'est le seul point fixe, et l'image de A égale à K. Voilà la figure. Donc, je veux déterminer alors l'angle et le rapport. C'est-à-dire, je veux chercher l'angle j a j K, voilà. j a c'est un angle, voilà, c'est l'angle j a j K, et je veux chercher le rapport j sur jA. a sur j, a. j, K sur j K. On remarque ici qu'on a i j K a, ce quadrilatère est un carré. On peut démontrer ça facilement. Si on démontre que IJKA est un carré, donc on peut déduire l'angle et le rapport de f. Donc pour démontrer qu'on a un carré, c'est quoi un carré Un carré c'est un quadrilatère A I J K A est un quadrilatère qui est un parallélogramme et aussi on a deux côtés consécutifs égaux et perpendiculaires. Donc il suffit de démontrer que I J K A est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs perpendiculaire et de même longueur. On remarque ici que si on a J milieu de BC, K milieu de AC, alors le vecteur KJ égale à demi le vecteur AB. Et puisque I milieu de AB, alors KJ égale le vecteur AI. Et puisque les points K, J, I, A ne sont pas alignés, alors KJIA est un parallèle au gras. En plus, on a la distance AI égale à 1 demi la distance AB, la distance AK égale à 1 demi la distance AC, donc AI égale à AK, vu que le triangle ABC est un triangle isocèle, c'est-à-dire on a AB égale à AC. Et on a aussi l'angle AI-AK, est le même, A, même mesure que l'angle ABAC égale à π sur 2. On va écrire ça. Voilà. Je vais répéter ça. Dans le triangle ABC, on a K le milieu de AC, et J est le milieu de BC, et I le milieu de AC. Alors, KJ égale à 1 demi AB égale à AI. Donc, KJ égale à AI, et les points KJAI ne sont pas alignés. Donc, le quadrilatère KJIA, est un parallélogramme. Et puisque AI égale à AK, pourquoi Parce que AI égale à 1,5 AB, AK égale à 1,5 AC et ABC isocèle, donc AI égale à AK. En plus de ça, la mesure de l'angle orienté AI-AK congrue à AB-AC, pourquoi Parce que AI et AB sont colinéaires et de même sens, c'est-à-dire déjà ici on a AI égale à 1,5 AB. Donc, je peux remplacer un vecteur par un vecteur est collinéaire et de même sens. Or, on a AI égale à un demi AB, AK égale à un demi AC. Donc, la mesure de l'angle orienté AI-AK égale à la mesure de l'angle orienté AB-AC. Et on sait que AB-AC égale à pi sur 2. Et voilà la conclusion, alors. Le vecteur KI égale à vecteur AI. La distance AI égale à AK, deux côtés consécutifs, et l'angle entre A et k est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Par suite, AIJK est un carré direct dont JA est une diagonale. Voilà la figure. Donc, JA est une diagonale du carré. Donc, je peux dire alors que l'angle JAJK congrue à moins pi sur 4, et voilà, c'est l'angle de la similitude directe. Pour le rapport, on sait que JK... Sur JA. Donc ici, on a un triangle isocèle rectangle en K. Donc JK égale à, on sait que JK égale à 1 demi AB. JA égale à 1 demi BC. Pourquoi JA égale à 1 demi BC Parce qu'on sait que ja égale, à, JA égale à JC égale à JP. Donc JA égale à égal à 1 demi BC, car J est le milieu de BC. Et on a ici, un, dans un triangle rectangle, si J est le milieu de l'hypoténuse, alors on sait que la distance JA égale à la distance JB égale à la distance JC. Donc JA égale à JC égale à 1 demi BC. Donc 1 demi AB sur 1 demi BC, AB sur BC, et on sait que ABC est un triangle rectangle, donc la distance BC, c'est égal à racine de 2 la distance AB, parce que BC est l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle en A. Donc AB sur 1, racine de 2, AB, égale à racine de 2 sur 2. Donc le rapport de F, c'est racine de 2 sur 2, et l'angle de F, JA, JK, congruent à moins pi sur 4. Donc je peux conclure que la similitude directe F, A pour centre J, A pour angle, pi sur, moins pi sur 4, et A pour rapport, racine de 2 sur 2. Donc les trois éléments caractéristiques de F, on a trouvé les trois éléments caractéristiques de F le centre, le rapport et l'angle. Deuxième question justifier que F de K égal à F. Je veux trouver l'image de K par l'application ou la similitude directe F, c'est-à-dire il faut trouver le rapport entre JL, il suffit de trouver le rapport entre JL et JK. JL sur JK, il faut le trouver égal à racine de 2 sur 2. Et il faut trouver que l'angle entre JK et JL, moins pi sur 4, l'angle de la similitude. Or, F, on sait que F, c'est une similitude directe de centre J et d'angle, moins pi sur 4. Donc, pour démontrer que l'image de K est égale à L, il suffit de chercher le rapport JL sur JK. On sait que JL, voilà le schéma, on sait que JL, c'est le moitié de JC, et on sait que JC égale à 1,5 BC. Donc JL égale à 1 quart de BC. JK égale à 1,5 de AB, on a démontré ça. Donc on a ici 1 quart de BC sur un demi de BC nous donne BC sur 2BA, et on sait que BC, c'est racine de 2 de BA. Parce que BC, c'est l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle en A. Donc, on a ici racine de 2BA sur 2BA égale à racine de 2 sur 2. Il nous reste l'angle. Donc, on sait que JK, JI, congruent à BA, BC. Pourquoi Parce que JK et BA collinéaires et de même sens, et JL et BC colinéaire et de même sens. Voilà pourquoi JK égale à 1 demi BC. JL égale à 1 quart BC. Donc, on a ici JK, JL, congru à BA, BC. Par suite, on sait que BA, BC, BA, BC, à moins pi sur 4, parce que ABC est un triangle isocèle et rectangle en A. Donc, BA, BC nous donne moins pi sur 4. Donc, on a ici, je répète, F c'est une similitude de centre J. Le rapport JL sur GK égale à racine de 2 sur 2, la mesure de l'angle orienté jkjl est moins pi sur 4, par suite l'image de k égale à l. Voilà. Question petit c, soit h le milieu du segment aj. Justifiez que f de i égale à h. Donc avec la même méthode. F, similitude directe de centre J de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle moins pi sur 4. Donc, pour trouver l'image de I égale à H, il suffit de démontrer que le rapport GH sur GI égale à racine de 2 sur 2 et la mesure de l'angle géométrique GIGH est moins pi sur 4. Voilà la figure. Donc, on a GH sur GI. Voilà. GH sur GI. On sait que GH égale à demi GA parce que H, milieu de. AJ, et JI égale à 1,5 AC. Donc, 1,5, 1,5, on, on va simplifier ça, nous donne JA sur AC, et JA, on sait que JA égale à 1,5 BC, on a démontré ça, sur AC, donc, et on sait que BC, c'est racine de 2 AC, BC, c'est racine de 2 AC, comme ABC est un triangle isocèle rectangle en A, et BC, l'hypoténuse, donc, nous donne racine de 2 sur 2 AC sur AC, on va simplifier par AC, nous donne racine de 2 sur 2. Donc, JH sur JI égale à racine de 2 sur 2. Il nous reste la mesure de l'angle orienté JIJH. jh Or, JIJH jh JI-JH congruent à CA-JA. Pourquoi Parce que JI et CA sont collinaires et de même sens, et JH et JA sont collinaires aussi de même sens, parce que CA égale à 2JI et JA égale à 2JH. Donc, j JH congruent à CA, JA. Et on sait que CA, JA congruent à AC, AJ. On peut permuter les deux. Donc, CA nous donne AC et JA égale à. Et euh, on va remplacer CA par moins. AC, moins AC, et JA par moins AJ, et on peut simplifier moins et moins. Donc ici, on a AC, AJ, congru à combien alors Congru à moins pi sur 4, modulo 2pi. Pourquoi Parce qu'on sait que A, I, j, K est un carré, donc AC, AJ, congru à AK, AJ, congru à moins pi sur 4. On a démontré ça. Donc, ainsi, f de i égale à h. Je répète, f similitude directe de centre j, j sur j i égale à racine de 2 sur 2, la mesure de l'angle géométrique j i G h congrue à moins pi sur 4 modulo de pi, alors l'image de i égale à h. Troisièmement, on m'unit le plan du repère orthonormé direct abac. Soit phi l'application du plan dans lui-même qui, à tout point d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à moins 1 plus I sur 2 Z bar plus 1 plus I sur 2. Je veux démontrer que phi est une similitude indirecte de centre C. On a un théorème, un petit rappel. Donc, le plan complexe P rapporté à un repère orthonormé direct au IJ, soit F, une application du plan dans lui-même, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z'. L'application F est une similitude indirecte de centre I et de rapport K différent de 1. J'insiste sur K différent de 1. Si et seulement si, il existe deux nombres complexes, A et B, tels que Z' égale à AZ-bar plus B. Dans ce cas, le rapport K égale à module de A, et le centre égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Et s'il existe, le centre il existe d'une façon unique. Pourquoi Parce que le rapport, on sait qu'une similitude de rapport différent de 1, toujours elle admet un seul point invariant qui est le centre de cette similitude. Voilà. Donc je veux démontrer que phi est une similitude indirecte. Donc, on a ici l'image de M d'affix Z égale à M' d'affix Z' telle que Z' égale à moins 1 plus I sur 2, Z bar plus 1 plus I sur 2. L'écriture complexe de phi est de la forme AZ bar plus B avec A égale à moins 1 plus I sur 2 et B égale à 1 plus I sur 2. Et puisque module de A égale à module de moins 1 plus I sur 2 égale à racine de 2 sur 2, différent de 1, donc φ est une similitude indirecte de rapport racine de 2 sur 2. Montrons que c est le centre de Φ. Comment on peut démontrer qu'un point est le centre d'une similitude indirecte à l'aide de l'écriture complexe Comment on peut démontrer ça? On a deux méthodes ici. Première méthode, donc on sait que si z' égale à a z bar plus b et module de a différent de 1, alors phi, c'est une similitude indirecte de centre i avec l'affixe de i égale à a b bar plus b sur 1 moins module de a au carré. Donc on va chercher l'affixe du centre et on va démontrer que l'affixe du centre égale l'affixe du point c. Or, a égale à moins 1 plus i sur 2, b égale à 1 plus i sur 2, soit i le centre de phi, donc z i égale à a b bar. Plus b sur 1 moins module de a au carré. Donc nous donne, a b bar, on a 1 plus i fois 1 moins i, z fois z bar égale à a carré plus b carré. Donc nous donne moins 1 plus 1 plus, 1 plus 1, plus 1 plus i sur 2. Donc nous donne ici, i sur 2 sur 1 moins 1 demi, nous donne i sur 2 sur 1 demi, nous donne i, donc égale à z i. Ainsi, c est le centre de phi. Et elle est unique. Parce que module de k différent de 1. Donc, ici, la première méthode, pour déterminer le centre d'une similitude, il suffit de calculer le rapport AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Donc, ZI égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Donc, on a trouvé que ZI égale à ZC, donc C est le centre de phi. Deuxième méthode donc, pour la deuxième méthode, il suffit de montrer que C est le seul point invariant. Donc, ici, on, a, on sait que ZC égale à I. Posons phi de C égale à C', et il faut trouver que C' égale à C. Tout simplement, on remplace l'affixe de C dans l'écriture complexe. On a alors, si l'image de C égale à C', alors, zc' égale à moins 1 demi 1 plus i zc' plus 1 demi fois 1 plus i. Signifie quoi Signifie que zc' égale à moins 1 plus i fois 1 plus i, zc' égale à moins i, plus 1 demi fois 1 plus i. Signifie que zc' égale 1 fois moins i, c'est moins i, i fois moins i, c'est 1, et voilà, on va trouver 1 demi de c i plus i, i plus i, 2i sur 2 nous donne i, donc. L'image de C égale à C' d'affixe I, et I c'est l'affixe de C, d'où phi de C égale à C. Donc C est un point invariant par phi, et comme phi est une similitude indirecte de rapport racine de 2 sur 2 différent de 1, on sait que si le rapport différent de 1, alors nécessairement le centre est unique. Donc C est l'unique point invariant par phi qui n'est autre que le centre. Donc on a ici deux méthodes pour démontrer ou pour démontrer ou pour déterminer le centre de phi. Question B. Donnez l'affixe des points i, k, j et h. On sait que si i est milieu de AB, on a l'affixe de i, c'est la somme des affixes sur 2, de même pour k, pour j et pour h. Donc, zi égale à z a plus zb sur 2 égale à demi zk égale à ZA plus ZC sur 2 égale à 1 demi i. J milieu de BC alors zj, zb plus zc sur 2 égale à 1 demi plus 1 demi de i. Et si h milieu de AJ, j alors zh égale à z a plus zj sur 2. Égale à 1 plus i sur 4, donc égale à la forme algébrique, c'est 1 quart plus 1 quart de i. C'est-à-dire la partie réelle 1 quart et la partie imaginaire égale à 1 quart. Voilà la figure. On a I milieu de AB, J milieu de AC, K milieu de AC et I milieu de AB. On veut déterminer phi de I et phi de J. Pour déterminer phi de I à l'aide de la forme complexe de phi il suffit de remplacer z par zi. Alors, on sait que z' prime égale à a z bar plus b. Je remplace z par zi. On a alors moins 1 demi fois 1 plus i z bar i plus 1 demi fois 1 plus i égale, je remplace zi bar par sa valeur, donc nous donne moins 1 quart 1 plus i plus 1 demi 1 plus i, nous donne 1 quart fois 1 plus i. Donc, l'image de i, c'est zh. Pourquoi parce que la fixe de ZH égale à 1 quart plus 1 quart de I. Donc phi de I égale à H. De même, je veux déterminer l'image de J. Je remplace la fixe de J dans la forme complexe de phi. Donc AB bar plus B. Donc moins 1/2 fois 1 plus I, ZJ bar plus 1/2 fois 1 plus I. Je remplace ZJ bar par sa valeur. Donc nous donne moins 1/2 fois 1 plus I. Et ZJ bar, c'est 1 moins I sur 2 plus 1 demi fois 1 plus I. Donc, nous donne alors 1 plus I fois 1 moins I, nous donne 1 plus 1. 1 demi fois 1 demi, nous donne 1 quart. Donc, moins 1 quart fois 2 plus 1 demi fois 1 plus I, nous donne combien Nous donne moins 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, demi de I égale à combien ZK. Donc, l'image de J égale à ZK. Conclusion, l'image du point I est le point H. L'image du point J, c'est le point par la similitude indirecte phi. Question B, D. Déduire alors que phi égale à F rend SIK. Où F, c'est la similitude définie dans la partie 2, on sait que F est une similitude directe. Et on sait que la symétrie orthogonale est une similitude indirecte de rapport 1. Et on sait encore. Que la composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte est une similitude indirecte. Or, on a est une similitude indirecte, f rang SIK est une similitude indirecte. Il suffit que Φ et F rang SIK coïncident en deux points distincts pour conclure que Φ égale à F rang S -I -K. Voilà. On répète alors. Sik est un anti déplacement, alors c'est une similitude indirecte. Par suite, f rond sik est une similitude indirecte, comme composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte. Donc phi et f rend sik de même nature. Les deux sont similitudes de similitudes indirectes. En plus, on sait que l'image de i par f rend sik, sik de i, nous donne i parce que i appartient à ik. Donc, f de si de i nous donne f de i et on sait que f de i égale à h. De même, f rang si de j égale à f si de k de j, on sait que si de k de j égale à f de a, donc si de k de j égale à a et f de a nous donne égale à k. Donc, on a phi de i égale à f rang si k de i égale à h, phi de j égale à f rang s I, k de j égale à k, et i différent de j. Donc les deux similitudes phi et f rang s i k sont deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts. Par suite phi égale à f rang s i k. phi et s rang s I, k sont deux similitudes indirectes qui coïncident sur deux points distincts par suite φ égale à f rang s i k. Donc on a trouvé que les deux similitudes coïncident partout. φ est une similitude indirecte égale à f rang s i k parce que φ et f rang s i k coïncident en deux points distincts. Question 4. Soit delta l'axe de la similitude indirecte Tracer delta. Un petit rappel. On a la propriété suivante. Soit f une similitude indirecte de centre I, de rapport k différent de 1, d'axe d, si u un vecteur directeur de d, alors la mesure de l'angle orienté u et m' congrue à moins u et m modulo 2 pi. C'est-à-dire alors que delta, l'axe d'une similitude indirecte, c'est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique Mi'. Donc, ici, la propriété, donc delta, l'axe d'une similitude, c'est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique IM. Maintenant, on va déterminer l'axe de notre similitude. On a ici, phi, similitude est une similitude indirecte d'axe delta et de centre C, qui envoie I en H et J en K. Donc, il suffit d'utiliser l'image de I en H ou l'image de J en K. Et on sait que c'est le centre. Donc, d'après la propriété, delta est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique CICH ou encore CJCK. Et voilà la figure. Voilà, on a ici delta, la bisectrice intérieure de CI, CH ou encore CK, CI, CH ou CK, CL. Voilà, CK, CJ, delta, la bisectrice de CHCI et CK, CJ. D'où la construction de la droite delta. Petit B, la droite delta coupe les droites IK et IHL respectivement en P et Q. Montrer que l'image de P égale à l'image de P par F égale à l'image de P par phi, et en déduire que l'image de P égale à Q. Voilà la figure. Donc ici, on a delta coupe IK en P et HL en Q. Je veux démontrer que l'image de P égale à F de P. On sait que P appartient à la droite IK. P appartient à la droite IK. Donc, SIK de P, c'est P. Parce que chaque point qui se trouve sur la droite IK, c'est un point invariant par SIK. IK, c'est l'axe de la symétrie orthogonale SIK. Donc, chaque point qui se trouve sur la droite IK est un point invariant. Donc, on a P appartient à IK. Donc, l'image de P égale à P d'où phi de p on sait que phi égale à f rond sik d'après la question petit a donc phi de p égale à f rond sik de p et on sait que sik de p égale à p par suite phi de p nous donne f sik de p égale à p donc égale à f de p donc phi de p égale à f de p je répète je veux démontrer que l'image de p par phi Égal à l'image de P par F. On sait que F de P égale à F de, F de P égale à S F rond S I K de P. S I K de P égale à P car P appartient à la droite I Donc, phi de P égale à F S I K de P égale à P. Donc, égale à F de P. Donc, phi de P égale à P. Maintenant, on veut démontrer que l'image de P égale à Q. Deuxième question, montrer que l'image de P égale à Q. On sait que P appartient à IK. Alors l'image de P appartient à l'image de IK. On sait que F de IK égale à LH. Donc phi de P appartient à LH. Je répète, P appartient à IK, alors l'image de P appartient à F de IK. Et on sait que F de IK égale à LH, d'après la première partie. Donc F de P appartient à LH par suite. Φ de p appartient à LH car f de p égale à Φ de P. Or, P appartient à delta et delta l'axe de Φ, d'où Φ de P appartient à Φ de delta. Et on sait que l'axe d'une similitude indirecte est invariant, est globalement invariant par la similitude indirecte. Si delta est l'axe de φ, alors l'image de delta, c'est delta. Parce que delta est globalement invariant par l'application φ, vu que delta est l'axe de φ, et φ, c'est la symétrie, c'est la similitude indirecte. Donc je répète, on sait que P appartient à delta, donc l'image de P appartient à l'image de delta, et l'image de delta est égale à delta, donc φ de P appartient à delta. On sait alors que φ de P appartient à LH φ de p appartient à delta, donc φ de p appartient à l'intersection de lH et delta. Et on sait que lH et delta, voilà, lH et delta, c'est le point Q, qui est en rouge ici. Donc φ de p égal à Q. Donc, je répète, on sait que f de p égal à φ de p. Et on a p appartient à IK. P appartient à la droite IK. Donc, f de p appartient à f de ik. Et on sait, d'après la première partie, f de ik égale à lh. Donc, f de p appartient à lh. Et on sait que f de p égale à phi de p. Donc, phi de p appartient à lh. Phi de p, c'est un point. Donc, il faut trouver l'intersection des deux droites. Donc, p appartient à delta. Et delta, l'axe de phi. D'où phi de p appartient à phi de delta. Et delta est globalement invariant par φ, parce que delta est l'axe de phi et φ, c'est une similitude indirecte. Donc, φ de p appartient à delta, donc φ de p est, appartient à l'intersection de LH et delta. Or, d'après la figure, on a φ de p appartient à delta inter LH, delta inter h, c'est le point Q, par suite, l'image de p égale à Q. Passons alors à l'exercice numéro 2. Contenu, on a ici produit vectoriel dans l'espace. C'est un extrait de Bach 2014, c'est un exercice sur les géométries dans l'espace. Donc le contenu de cet exercice, le produit vectoriel dans l'espace, équation d'un plan dans l'espace, position de deux plans, équation d'une sphère, position d'un plan et d'une sphère. Translation dans l'espace. Voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà la figure. Donc ici on a un cube. Donc l'espace menu d'un repère orthonormé direct AI, JK. ABCDEFG, le cube. Tel que AB égale à 6I, AD égale à 6J, AE égale à 6. Donc, on va étudier la position entre les plans EBG et les, le plan A, H, C dans la première partie. Pour la deuxième partie, on va étudier l'équation d'une sphère et la position relative entre la sphère et les deux plans P et Q. Puis, on va chercher ou on va déterminer l'image d'une sphère et l'image de l'intersection de la sphère avec les plans P et Q. Question numéro 1. Déterminer les composants du vecteur, le produit vectoriel ABAC. Donc, déterminer les composants du vecteur ACAH. Produit vectoriel ACAH. Rappel, l'ensemble W des vecteurs de l'espace est muni d'une base orthonormée directe IJK. Si les composants de U, A, B, C et les composant de V, A', B', C', alors le produit vectoriel UV est le vecteur B, C', moins C, B', fois I, moins A, C', moins C, A' fois J plus AB' moins BA' fois K. Donc les composantes du produit vectoriel UV sont BC' moins B'C moins, BC moins AC' moins A'C et AB' moins A'B. On sait que ABCD est un carré, donc le vecteur AC est égal à le vecteur AB plus le vecteur AD. Je veux calculer le produit vectoriel AC et AH. Donc il faut chercher ou il faut déterminer les composantes des vecteurs AC et AH. On a ABCDEFGH est une cube. Donc, donc ABCD est un carré dont AC égale à AB plus AD signifie que AC égale à 6I plus 6J. Parce que AB égale à 6I, AD égale à 6J. ADHE est un carré, donc le vecteur AH égale AD plus AE. On sait que AD égale à 6J et AE égale à 6K. Donc les composantes du vecteur AC sont 6, 6, 0 et les composantes du vecteur AA, 0, 6, 6. Donc le produit vectoriel égale à V. Donc nous donne 6 fois 6, 36 moins 0 nous donne 36. 6 fois 6 36 moins 0 nous donne 36, j'ajoute sin et moins. Puis 6 fois 6 36 moins 0 nous donne 36. Donc le produit vectoriel AC et AH, c'est le vecteur V de composantes 36 moins 36 et 36. Petit b, déduire une équation du plan P. Donc, pour déterminer l'équation d'un plan, il suffit de trouver un vecteur normal et un point. Voilà. Donc, l'équation cartésienne en général d'un plan est de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec a, b, c sont les composantes d'un vecteur normal au plan P. On sait que le produit vectoriel de ac et h, cv, on sait que V orthogonal à AC, le produit vectoriel toujours orthogonal à AC, le produit vectoriel de AC à H, AH, c'est un vecteur orthogonal à AH, et on sait que A, H et C sont non alignés, trois points non alignés, donc V est un vecteur normal au plan P, ACH. Je répète, le vecteur V orthogonal à AC, le vecteur V orthogonal à AH, et AAC non aligné, par suite, V est un vecteur normal au plan ACH. Donc le plan, donc les composantes de V, 36 moins 36, 36, sont A, B et C. Donc je remplace A par 36, B par moins 36 et C par 36. Donc le plan P a pour équation 36X moins 36Y plus 36Z plus D égale à 0. Pour trouver D, il suffit de remplacer un point du plan dans l'équation cartésienne de P. Puisque A, a un point de P. Donc, je remplace les coordonnées de A, 0, 0, 0, dans le plan. Donc, on va trouver que D égale à 0. Il en résulte que P a pour équation 36X moins 36Y plus 36Z égale à 0. Je simplifie, je divise par 36 à gauche et à droite. On va trouver que P a pour équation X moins Y plus Z égale à 0. Voilà, donc l'équation d'un plan toujours est de la forme AX. Plus BY plus CZ plus D, on a ici A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à 1 et D égale à 0. Donc l'équation du plan P est X moins Y plus Z égale à 0. Donc le plan P, c'est un plan qui a pour vecteur normal 1 moins 1, 1. Et chaque vecteur collinéaire au vecteur N 1 moins 1, 1 est un vecteur normal. Donc un plan possède une infinité de vecteurs normaux. Maintenant, je veux démontrer que P et Q sont parallèles et donner une équation du plan Q. Comment on peut démontrer que deux plans sont parallèles On a deux méthodes. Première méthode. Deux plans sont parallèles si et seulement si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Voilà la figure. On a deux plans parallèles si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Donc, on va utiliser cette méthode. Première méthode, on pose Q égale à EGB. Donc, le vecteur normal de EGB, on note GE, un vecteur, un parmi les vecteurs normaux. On note ça, GE vectoriel GB est un vecteur normal de Q. Un parmi les vecteurs normaux de P, AC vectoriel AH est un vecteur normal de P. Or, GE vectoriel GB égale CA. Voilà la figure. Donc, je peux remplacer GE par CA. GE. Je peux remplacer par GA le vecteur GA. GE égale le vecteur CA. Et je peux remplacer GB. Par HA. Donc, GE vectoriel GB égale à CA vectoriel HA. Je peux remplacer CA par AC. En même temps, il faut remplacer HA par AH. On a trouvé alors que le produit vectoriel GE GH égale produit vectoriel AC AH. Donc, les deux plans P et Q ont des vecteurs normaux collinéaires. Où ici, on a trouvé que le vecteur normal de Q est le même que le vecteur normal de P. Par suite, les plans P et Q sont deux plans parallèles. Je répète, pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de démontrer qu'un vecteur normal à P est un vecteur normal à Q, ou les deux vecteurs normaux sont collinières. Deuxième méthode, voilà, D1 et D2 sont deux droites séquentes. Du plan P parallèle à deux droites de séquentes du plan P'. Donc il suffit de trouver deux droites de séquentes dans le plan P parallèles à deux droites de séquentes dans le plan P' pour démontrer ou pour dire que les deux plans sont parallèles. On sait que EG est parallèle à AC et EB est parallèle à CH. EG inclus dans le plan Q, EB est inclus dans le plan Q, et AC et ECH inclus dans le plan P. Et on a, EG et EB sont deux droites séquentes, et AC et CH sont deux droites séquentes. Donc on a trouvé deux droites parallèles, deux à deux séquentes, deux droites séquentes dans le plan P, parallèles à deux droites séquentes dans le plan Q, par suite P parallèle à Q. Et voilà la deuxième méthode. Maintenant, on veut... Déterminer l'équation, deuxième partie du question, donc on veut chercher ou on veut déterminer l'équation du plan Q. On sait que P et Q sont deux plans parallèles. Donc tout vecteur normal à P est un vecteur normal à Q. On peut utiliser le vecteur normal de P pour dire que c'est un vecteur normal à Q. On a alors P parallèle à Q et P a pour équation x moins y plus z égale à 0. Alors n, les composantes de n, 1 moins 1, 1, est un vecteur normal de p, est un vecteur normal aussi de q. Donc q a pour équation x moins y plus z plus d' égale à 0. Et on sait, pour déterminer d', il suffit de trouver un point. On sait que le point b, voilà, le point b appartient à q. Et les coordonnées de b... 6, 0, 0 appartient à Q. Donc, on remplace le point B, les, co les coordonnées du point B dans le plan Q. On va trouver que D' égale à moins 6. Donc, le plan Q a pour équation X moins Y plus Z moins 6 égale à 0. On remarque que P a pour équation X moins Y plus Z égale à 0. Et Q a pour équation X moins Y plus Z moins 6 égale à 0. Donc, Ici, les coefficients, donc P et Q ont même coefficient. A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à 1, et D, ici, et ici 0, et ici, c'est moins 6. Donc, pour trouver l'équation cartésienne de Q parallèle à P, il suffit de dire que P et Q ont même vecteur normal et de trouver un point du plan Q pour chercher quatrième coefficient, D. Donc, ici, on a trouvé que. Où on a prouvé que P et Q sont deux plans parallèles et on a trouvé que l'équation de Q est x moins y plus z moins 6 égale à 0. Question 2. Soit est la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0 Déterminez l'orient de S et les coordonnées de son centre. Un petit rappel. soit I, un point de l'espace, et R, un réel strictement positif. On appelle sphère de centre I et de rayon R l'ensemble des points M de l'espace tel que la distance IM égale à R. Et on note SIR, indice IR. C'est-à-dire I, c'est le centre, et R, c'est le rayon. Donc c'est quoi une sphère et l'ensemble des points de l'espace tels que IM égale à R. Avec I et le centre, et M. Et R est le rayon. Et R, c'est un réel strictement positif. Soit S la sphère de centre I, A, B, C et de rayon R. On sait que M appartient à S si seulement si IM égale à R. Je remplace la distance IM par l'expression, donc la distance en A, racine de x moins A au carré plus y moins B au carré plus z moins C au carré égale à R. Donc x moins A au carré plus y moins B au carré plus z moins C au carré égale à R au carré. Et voilà l'équation. Réduite d'une sphère. Donc, l'équation réduite d'une sphère nous donne le centre de coordonnées A, B, C et de rayons R. Donc, l'équation d'une sphère x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré nous donne R au carré. Un petit rappel sur les sphères. Pour déterminer l'équation ou le centre de S. Et le rayon de S, il suffit d'utiliser la formule suivante. Donc x carré plus ax nous donne x plus a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. C'est la forme canonique. Ou, si on a un signe moins, de même, x carré moins ax nous donne x moins a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. On va utiliser la formule suivante. Donc x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0. C'est l'équation cartésienne de la sphère il faut l'écrire sous forme réduite pour déterminer le centre et le rayon. Donc, signifie x carré moins 2x, voilà, plus y carré plus 2y, plus z carré moins 2z nous donne 0, x carré moins 2x, voilà, x carré, on va remplacer a par 2, x carré moins 2x nous donne x moins 2 sur 2 au carré, moins 2 sur 2 au carré, nous donne x moins 1 au carré, moins 1 au carré égal à 1. Plus y plus 1 au carré, moins 1 au carré, c'est moins 1, voilà. Plus z moins 1 au carré, moins 1 au carré, 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, nous donne combien Nous donne 0. Signifie x moins 1 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z moins 1 au carré, égal à 3. C'est l'équation réduite de la sphère qui nous donne le centre et le rayon de la sphère. Donc, S est une sphère de centre I, de coordonnées 1, moins 1, 0. Et de rayon R égale à racine de 3. Donc, d'après l'équation cartésienne, je peux déduire l'équation réduite pour déterminer le centre et le rayon de la sphère. Donc, la sphère S a pour centre le point I de coordonnées 1, moins 1, 2 et de rayon R égale à racine de 3 soit J le projeté orthogonal de A sur le plan Q, montrer que AJ est un diamètre de S. Donc soit J le projeté orthogonal de A sur Q. C'est-à-dire ici, on a euh, le projeté orthogonal d'un point sur un plan, on va trouver les coordonnées du point J, puis on peut démontrer alors facilement que AJ est le diamètre de S. Pour démontrer que AJ est le diamètre de S, il suffit de démontrer que la distance AJ égale à deux fois le rayon et les deux points A et J appartiennent à S. Donc, il suffit de déterminer les coordonnées du point J. Donc ici on a, soit J le projeté orthogonal de A sur Q. Alors J, voilà la figure. Donc on a J le projeté orthogonal de A sur Q. Donc, J appartient à delta inter Q. Voilà, J appartient à delta inter Q. Avec delta, c'est quoi la, la perpendiculaire à Q est passant par A. Donc, delta, la droite qui passe par A est perpendiculaire à Q. Donc, J est un point de delta et J est un point de Q. Donc, J appartient à l'intersection du plan Q et de, de la droite qui passe par A et du vecteur directeur N. Pourquoi n est un vecteur directeur de delta parce que delta est une droite perpendiculaire à au plan Q et n est un vecteur normal à Q donc delta perpendiculaire à Q et n est un vecteur normal à Q alors n est un vecteur directeur à la droite delta par suite J est l'intersection de la droite delta avec le plan Q donc on va utiliser l'intersection pour trouver x, y et z. Donc signifie j appartient à q et j appartient à delta. Donc j appartient à l'intersection de q et delta, c'est-à-dire j appartient à q et j appartient à delta. Donc j vérifie l'équation de q et j vérifie l'équation de la droite qui passe par a et de vecteur directeur 1 moins 1, 1. Donc la droite qui passe par A est de vecteur directeur 1 moins 1, 1, a pour représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins alpha et z égale à alpha. Signifie, je remplace x, y et z par ces valeurs, donc on va, trouver x, on va remplacer x par alpha, y par moins alpha et z par alpha. On va trouver que 3 alpha moins 6 égal à 0, c'est-à-dire alpha égale à 2. Donc je remplace dans x nous donne x égale à 2, y égale à moins 2 et z égale à 2. Donc ici on a trouvé que le point J est un point et le point d'intersection de la droite de la droite delta avec le plan Q. Donc l'intersection de la droite delta avec le plan Q donc, on sait que la droite delta A pour représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins alpha, z égale à alpha. Pourquoi Parce que cette droite passe par A. A, c'est l'origine du repère, 0, 0, 0. Et de vecteur directeur 1, moins 1, 1. Donc, 1 fois alpha, moins 1 fois alpha, alpha. Et je remplace x par alpha, y par moins alpha, et z par alpha. On va trouver que alpha égale à 2. Donc, l'intersection entre delta et le plan Q, c'est le point J. De coordonnées 2, moins 2, 2. Et J, c'est le projeté orthogonal de A sur le plan Q. Montrons que AJ est un diamètre de S. Donc, pour montrer que le segment AJ est un diamètre de S, il suffit de démontrer que la distance AJ égale à 2 fois R, le rayon, avec R le rayon de la sphère, et il suffit de montrer que A appartient à S et J appartient à S. Pour démontrer que A appartient à S, je remplace les coordonnées de A dans l'équation réduite ou cartésienne, c'est la même chose, de la sphère S. On va trouver que voilà 0 moins 3 au carré plus 0 plus 1 au carré plus 0 moins 1 au carré égale à 3. Donc A appartient à S. De même, J appartient à S. Je remplace les coordonnées dans l'équation. En plus, on sait que la distance AJ c'est racine carrée de 2 moins 0 au carré, moins 2 moins 0 au carré, plus 2 moins 0 au carré, nous donne racine de 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré, nous donne racine de 12, égale à 2 racine de 3, et on sait que le rayon de la sphère égale à racine de 3. Donc on a trouvé que A appartient à la sphère, J appartient à la sphère, et la distance AJ égale à 2 fois le rayon. Par suite, AJ est un diamètre de S. Donc AJ est un diamètre de S et J le projeté orthogonal de A sur Q. Donc on a trouvé les coordonnées de J, puis on a démontré que AJ, le segment AJ est un diamètre de S. Il suffit de démontrer que AJ égal à deux fois rayon de S et A appartient à S et J appartient à S. Montrez que S est tangente à chacune des deux plans. Donc, pour démontrer qu'une sphère tangente à un plan, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut démontrer Donc, pour démontrer qu'une sphère tangente à un plan, il suffit que la distance entre le centre de la sphère et le plan égale au rayon. Donc, il suffit ici de démontrer que la distance entre I, le centre de la sphère, et le plan P égale au rayon, et la distance entre I, le centre de la sphère, et le plan Q de même égal à R. On a ici P parallèle à Q. J est le projeté orthogonal de A sur Q. A appartient à P. Voilà la figure. Donc on a P parallèle à Q P parallèle à Q J le projeté orthogonal de A sur Q A appartient à P. Et J appartient à Q. Et on sait que I, milieu de AJ. Pourquoi I, milieu de AJ Parce que AJ est le diamètre de S. Donc J est le diamètre de S. Donc on a ici I, le milieu du segment AJ. Car AJ est le diamètre de S. Donc A et J sont les projetées orthogonales de I, respectivement sur P et Q. Donc A, projetée orthogonal de I J, projetée orthogonal de, de I sur Q. Et on sait que la distance entre un point et un plan est la distance entre ce point et, ce projeté et son projeté orthogonal sur ce plan. Donc je répète, la distance entre un point et un plan est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur ce plan. Or on a j, le projeté orthogonal de i. On a prouvé que a, le projeté orthogonal de i, donc la distance ia. Et on sait que la distance ia égale à r. Donc, la distance entre I et A, c'est la distance entre I et le plan P, par suite, le plan P tangente à S, de même, la distance entre I et J égale la distance égale à R, parce que IJ, c'est le projeté orthogonal de I sur le plan Q. Par suite, la distance IP égale à IA égale à R, et la distance IQ égale à IJ égale à R, d'où S tangente à la fois à P, et Q. Donc, on a trouvé que le, la sphère S est tangente aux deux plans P et Q. Pourquoi Parce que la distance entre le centre et les deux plans égale à R. Donc, le centre I, la distance entre le centre I et le plan Q égale à R. La distance entre le centre I et le plan Q égale à R. Donc, le plan P tangente à S en A et le plan Q tangente à S en J. Voilà, d'où S tangente à P et, et Q. Soit T est la translation du vecteur U, 2i plus 4j plus 2k. C'est-à-dire les composantes de U sont 2, 4 et 2. Soit A' et J' les images respectives de A et J par T. C'est-à-dire T de A égale à A' t de j égale à g'. Prime. Déterminer les coordonnées de a' prime et j'. Un petit rappel. Donc, l'expression analytique d'une translation dans le cas général, voilà, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK, et si U de composante ABC un vecteur de l'espace, et on a m et m' prime deux points, on dit que l'image de m égale à m' prime, par la translation de vecteur U signifie x prime, c'est-à-dire l'abscisse de l'image égale l'abscisse de m plus a, y prime égale à y plus b, z prime égale à z plus c, avec a, b, c sont les, comp les composantes du vecteur u. Donc l'image d'un point m de coordonnées x, y, z égale à un point m prime de coordonnées x prime, y prime, z prime avec la translation t de u de composantes a, b, c. On a x' égale à x plus a, y' égale à y plus b, et z' égale à z plus c. Voilà. Donc, l'expression analytique de la translation T du vecteur U, 2, 4, 2i plus 4i plus 2k, et voilà, on a ici x', prime, y', prime, z', prime, égale à x, y, z, x plus 2, 2. Voilà, donc x plus 2, y plus 4, z plus 2, 2, 4, 2 sont les composantes du vecteur u. Donc l'image de a égale à a' avec a de coordonnées 0, 0, 0 nous donne le point a' de coordonnées x a', nous donne x a plus 2, y a', y a plus 2, z a' égale à z a plus 2. Je remplace x a, y a, z a par ces valeurs 0, 0, 0 nous donnent x' a égale à 2, y' égale à 4 et z' a égale à 2. Donc, l'image de A par la translation de vecteur U est le point A' de coordonnées 2, 4, 2. Donc, on a trouvé alors l'image, les coordonnées de A', image de A par la translation de vecteur U. De même, on va trouver l'image du point J par la translation du vecteur U. On sait que l'image de U, de J par rapport par la translation du vecteur U égale à J' nous donne XJ' c'est égal à XJ plus 2, YJ' égale à YJ plus 2, ZJ' égale à ZJ plus 2. Je remplace XJ, YJ, ZJ par les valeurs, donc on va trouver que xj' égale à 4, 2 plus 2 nous donne 4, 4 moins 2 nous donne 2 et 2 plus 2 nous donne 4. Donc, l'image de J égale à J' de coordonnées 4, 2, 4. Donc, on a trouvé l'image de A par la translation du vecteur U et on a trouvé l'image de J par la translation du vecteur U, à l'aide de l'expression analytique de T de U. Donc, je répète, l'image de A égale à A'. L'image de B de J égale à J'. A' a pour coordonnées 2, 4, 2 et J' a pour coordonnées 4, 2 et 4. Déterminer S' l'image de S par T. Donc, je veux déterminer l'image d'une sphère. On sait que l'image d'une sphère par une translation est une sphère de même rayon et de centre, l'image du centre de la sphère S. Donc l'image d'une sphère est une sphère de même rayon. Un petit rappel. Donc voilà. Donc un petit rappel sur les images. Donc l'image d'une droite par une translation de l'espace est une droite qui lui est parallèle. Donc toujours l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. L'image d'un plan par une translation de l'espace est un plan qui lui est parallèle. Donc on peut trouver que l'image de delta nous nous donne delta prime parallèle à delta, mais si le vecteur de translation est un vecteur directeur à delta, alors l'image de delta c'est elle-même, l'image de delta égale à delta si u directeur à delta. De même, si u est un vecteur du plan, alors l'image de p reste p. Mais en général, l'image d'un plan par une translation est un plan qui lui est parallèle. Si le vecteur est un vecteur du plan, alors l'image de p reste p. L'image d'une sphère par une translation de l'espace est une sphère de même rayon et de centre l'image de centre. Donc l'image d'une sphère S par une translation dans le cas général est une sphère de même rayon et de centre l'image du centre. Donc ici, pour trouver l'image de S, il suffit de trouver l'image du centre de S. Et garde le même rayon, c'est racine de 3. On va trouver l'image d'une sphère avec deux méthodes ici. Donc l'image de S de centre I de rayon racine de 3, c'est la sphère S', sphère de centre TU de I, car l'image d'une sphère est une sphère de centre l'image euh, du centre, est de même rayon racine de 3. Il suffit de remplacer les coordonnées de i dans l'expression analytique de tu. On va trouver que x i prime Égal à x' plus 2, égale à 3. y'' égale à y' plus 4 nous donne 3. Et z' égale à z' plus 2 nous donne 3 encore. Donc, l'image de la sphère de centre I nous donne la sphère S' de centre I' image de I de coordonnées 3, 3, 3 et de rayon racine de 3. Donc, l'image de S de centre I et de rayon racine 3, c'est la sphère de centre I' de coordonnées 3 3 3 et de rayon racine de 3. On peut utiliser une autre méthode. Deuxième méthode, on sait que dans cet exercice que la sphère de diamètre agit. Donc l'image de la sphère de diamètre agit est une sphère de diamètre l'image de agit. Donc la sphère S de diamètre agit, donc son image S' par T est la sphère de diamètre, l'image de Aj. On sait que l'image de A égale à A', on a trouvé ses coordonnées, et l'image de J égale à G'. Donc, l'image de la sphère de diamètre Aj, c'est une sphère de diamètre A', G', ou encore, l'image de la sphère de centre I de rayon racine de 3, c'est la sphère de centre I' et de rayon racine de 3. Donc, on a trouvé deux méthodes pour déterminer notre sphère, l'image de la sphère S. Donc montrer que S' est tangente aux deux plans P et Q et déterminer leur point de contact. On remarque que U scalaire N égale à 0. N U c'est le vecteur du translation et N le vecteur normal du plan donc le produit scalaire égal à 0 nous donne que U et N sont deux vecteurs orthogonaux. Par suite U et N sont vecteurs par suite donc N est un vecteur normal à P et Q alors U c'est un vecteur du plan P. Je répète alors donc on a ici U et N sont deux vecteurs orthogonaux et puisque N est un vecteur normal à P et Q on sait que N c'est un vecteur normal à, N, à P et Q alors U c'est un vecteur du plan P et Q. Donc, U est un vecteur du plan P et Q, c'est-à-dire l'image de P nous donne P et l'image de Q égale à Q. Pourquoi U est un vecteur de P et Q Parce que U est orthogonal à N. Comment on a démontré que U est orthogonal à N Avec N, vecteur normal à P et Q, il suffit de calculer le produit scalaire. On sait que si le produit scalaire entre deux vecteurs est égal à 0, alors ces deux vecteurs sont orthogonaux. Par suite... Le vecteur U est un vecteur du plan P et est un vecteur du plan Q. Et on sait que si U est un vecteur du plan P, alors l'image de P égale à P. Et si U est un vecteur du plan Q, alors l'image de Q égale à Q par la translation. Donc, on a ici T de P égale à P. T de Q égale à Q. On sait que la translation conserve le contact. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé S tangente à P en A. On sait que S est tangente à P en A, alors T de S est tangente à T de P en T de A, parce que la translation conserve le contact. Donc si S tangente à P en A, on a trouvé ça dans la question 2. Donc l'image de S est tangente à l'image de P en T de A. Par suite, on sait que T de S est égal à S', et on sait que l'image de P est égal à P, donc S' tangente à P en A'. Parce que l'image de A égale à A'. Je répète, S tangente à P en A. On a prouvé ça. Et on sait que la translation conserve le contact. Donc l'image de S est tangente à T de P en T de A. T de A, c'est-à-dire l'image de A. Donc l'image de S est tangente à l'image de P en l'image de A. L'image de S égale à S'. L'image de P égale à P parce que U est un vecteur du plan P, donc l'image de P égale à P, et l'image de A égale à A'. Donc S' est tangente à P en A'. De même, on démontre que S' est tangente à Q. On sait que S est tangente à Q en J. Donc l'image de S est tangente à l'image de Q en T de J. Parce que la translation conserve le contact. Et on sait que l'image de S égale à S' et on a prouvé que l'image de Q est égale à Q car le vecteur de translation est un vecteur de Q. Donc S' est tangente à Q en T de J égale à J'. Donc on a trouvé, on a prouvé que la sphère S' est tangente à P en A' et S' est. Et tangente à Q en J'. Merci pour votre attention.